retrouvons maintenant sur la zone libre, donc pour effectuer le gainage. Donc le travail de gainage va vous permettre de renforcer la sangle abdominale en profondeur et la queue. Vous allez également travailler l'ensemble du corps. Et tout ça avec une mise sous tension maximale. Donc le travail va être le suivant. Vous allez placer vos coudes juste sous les épaules. Donc certaines personnes joignent les mains entre elles. Moi, je préfère que les mains soient comme ceci, de manière à vraiment avoir un effort optimal. Donc, vous poussez au maximum les coudes dans le sol de manière à créer de la distance entre la poitrine et le sol ou de la distance entre les omoplates. Bien évidemment, vous rentrez le ventre, vous restez l'ombre en direction de la colonne. Et ensuite, au choix, soit vous placez sur les genoux, donc hanches au même niveau que les épaules, soit alors vous essayez de vous placer sur les pieds. Et même principe, le but est de dessiner une ligne droite du sommet de la tête vers le talon. Donc le regard restera toujours fixe entre les mains et vous essayez de tenir un maximum de temps possible. Voilà. Moi je conseille de tenir à peu près entre 15 et 30 secondes dans un premier temps en ayant 30 secondes à 45 secondes de récupération. On peut faire 4 à 6 séries comme ça. Donc ensuite, si ça devient trop facile ou pas assez difficile, on peut choisir de mettre des petites variations. Donc vous pouvez soit décoller un pied en quelques secondes, tout en gardant les jambes complètement tendues, bien serrées dans le ventre, ou alors décoller une main en alternant d'un côté et de l'autre. Voilà.